Je pense que c'est ça que j'ai dénoncé dans mes vidéos. Pourquoi les gens ils restent comme ça? Après, c'est pas quoi faire, elle te regarde, mais en même temps. Ah, bah après, en même temps, faudra comprendre aussi. Tu vois. Au début, moi, ça me faisait quelque chose quand je commençais dans le métier, tu vois. Quand t'es nouveau, mais c'est normal. C'est normal, je me dis, mais attends, c'est bizarre. Je comprends pas, je les regarde, ils disent pas un mot, il n'y a pas de compassion, il n'y a rien. Non, dis, bon. Non, mais dès que quand tu rentres dans le métier, c'est normal. Il y a une ligne que je fais, la 235, j'en fais rarement, tu vois, mais à un moment, j'en faisais beaucoup. Ouais. Et je prenais souvent une meuf le matin. 20 et 30 piges, tu vois, et elle montait, elle disait jamais bonjour, elle validait pas. Ah, mais quand je vois la mairie, quand je compare à la mairie d'Aubervilliers, ça n'a rien à voir. Ouais. Ah ouais, bah ça change. Ah, la mairie d'Aubervilliers, 9-3, mais peut-être 9-3, ils font pas autant d'efforts. En plus, tu filmes en haute définition, ça a dû prendre je sais pas combien de gigas. Ouais, elle a fait 25 gigas là. C'est une dinguerie. T'as vu ça? 25 gigas. Les remisages, c'est pas toujours logique. C'est en plus ça. Hein. Ouais, mais ce serait plus dans leur intérêt, tu vois. Ils perdraient peut-être moins de. Bah, même en termes de carburant. Carburant, ouais, c'est vrai. Ouais. Ça veut dire que si nous on est avec Béliard, nous on peut être amis aussi à faire des lignes de Béliard, du coup. Bah, en théorie, oui. C'est-à-dire, ouais, sur trois dépôts, tu peux aller soit. Tu peux être à Lani, tu peux être à Oulila, tu peux être à Béliard. Ouais. Bah, c'est le même lot, tu vois. Ça veut dire qu'il y en a un, ça va pas le lot, lot 49, je crois. Franchement, je pourrais me le permettre avec les 5000 euros de la régie que je gagne par mois. Ouais, en plus, on bosse que 3 heures par jour. Ouais. On est des privilégiés de fou, c'est ça. Merci BFM TV de l'avoir fait savoir à tout le monde. Vous savez, maintenant, ils vont tellement recruter qu'après, au final, ah, oui. On va, ça y est, ils vont diminuer le salaire. Là, t'as une autre école de commerce sur l'ESCA. Ouais. Alors, c'est bien, là, tu fais la pub des écoles de commerce, ouais. Avec ça, normalement, il devrait être un petit billet en plus. Ouais, les étudiants, voilà, nous, on a une ligne pour vous ramener en cours, si vous voulez. Ouais, donc là, on est à Boulogne-Billancourt. Ouais, là t'es dans les côtés UP. Ouais, la ville à Booba. Boulbi, le gars qui est parti à Miami. Tu sens, c'est la street. Hein. Terminus, nous vous invitons à descendre. A bientôt sur les lignes faire le petit claque. Là tout de suite là, putain tu me laisses cet honneur, je suis ému. Ah ouais tu vois. Ah ouais. C'est bon? C'est bon. Allez c'est Allez, parti. C'est parti. Pour de nouvelles aventures. Let's go. Aujourd'hui c'est quoi 175? 175. Là on part pour le camp pour un petit voyage. Un petit voyage. Ouais. Direction de quoi? De Porte de Saint-Cloud. Parc des Princes. Ah ouais, on va carrément au Paris Saint-Germain quoi. Exactement. Dédicace aux supporters marseillais. Allez, vous faire quelque chose. Je vais te faire défoncer, toi. Bonjour. Bonjour. Tiens. Bonjour. 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 La musique, c'est mieux chez les pins ou à ton avis? Ouais, si tu peux. Non, mais c'est pour toi, pour le son, tu vois. Jamais vu que tu m'as dit. Après, je sais pas, tu sais, c'est une fois que j'ai le rendu que je sais tout ça. Ouais, ah, j'ai pas ce de... serait dommage que. Je sais pas, après c'est toi. Qu'après coup, tu me dis. Bon, on la refait. Ouais, ça va. Allez, c'est parti. Et là, j'ai pris qu'il pleuve pas. Non, c'est bon, il a plu un petit peu ce matin. Ouais, t'as pas vu tout le mois de novembre, tout le mois de décembre, c'est que de la pluie. Ouais, c'est fou. Il est bizarre le temps. Ouais. Il fait chaud, moi je trouve ça, il fait pas. Il fait bon là. Ça fait 3-4 jours, il fait bon, il fait 10, 12 degrés. Ça va. Mais à quoi il y avait une semaine, c'était un peu plus froid, j'ai l'impression. Ouais, il fait froid. Ouais, il faisait 2-3 degrés. Tiens, tu vois le dépôt, il est là, le dépôt d'Almer. Mais non, c'est celui-là. C'est celui-là, ouais. Donc c'est ça ton haut-pied, toi. Ouais, c'est le haut-pied, il est là. Ça, c'est pas un truc à filmer, ça serait intéressant. Un haut-pied qui va durer une minute. On a une, mais sur les radars, on a une minute quand on rentre au dépôt. Ça va? Ouais. C'est normal, t'as vu? C'est bien. Parce que je voyais ton voyage, je comprenais pas. Parce que je voyais VG1 et VGA. T'as AGA et AGA. Ouais, AGA. En gros, AGA, c'est quand t'arrives à Gabriel Péri, mais genre pour faire descendre les gens, terminus. Et AG1, c'est quand tu te mets en station. C'est le même endroit, il n'y a aucune différence. Ok. Ouais,
sûrement 2 minutes là. À Jean 29, 21h35, quand t'as à Nil, à 21h37. Ouais, ils donnent 2 minutes quoi. Ouais. Même les mecs qui sont dans les dépôts de l'autre côté de Paris, ouais, bon. Bah, tout le monde a entendu. J'ai pas fait ça discrètement, le frérot. Ouais. C'est souvent ça. Là, tu vois, on sait toujours pas si on va aller jusqu'au bout de la vidéo. Quoi. Donc, ça, c'est un grand suspense. Bon, les gens, là, ils le sauront puisque la vidéo, elle serait déjà sortie. Et nous qui sommes là, on sait même pas si on va aller jusqu'au bout déjà. Bah, il y a intérêt. Ça aura fait la deuxième ligne, on se fait de lui. Hein. Sinon, on va négocier avec le rigueux. Ah, tu sais, on a essayé de négocier ça. Ah, ça va négocier. C'est dur de négocier avec les rigueux. On va partir, il avance. Oh, la dernière fois, on a essayé, c'est pas passé. C'est pas passé. Hein. Ouais. Avec le collègue du 144, c'est pas passé aussi. Hein. Ah ouais? Ils veulent pas, j'ai l'impression. T'as beau bien faire, parce que niveau kilomètre, ça les arrangerait de te faire la ligne en complète. Ouais, mais des fois, ils ont pas assez de gaz sur ligne, hein, c'est tout. Après, peut-être qu'il y a moyen, vu que vous êtes des, qu'il y a des découvertes. Là, je pense, hein, tu m'as dit 17 minutes, moi, ça me paraît beaucoup. 17. C'est déjà que là, tu vas charger en vrai. Ouais, ça c'est vraiment ça, tout ça c'est pour moi. Tu vois ce que c'est ça que j'ai dénoncé dans mes vidéos. Pourquoi les gens ils restent comme ça? Voilà. Après c'est pas quoi faire, elle te regarde mais en même temps. Ah bah après en même temps faut la comprendre aussi, tu vois. Des fois à un moment t'es obligé de t'engager. Insérer. Hein. Sinon, elle reste là-bas, elle bouge plus. Le truc c'est que la plupart du temps c'est que les gens ils me font dès le début, tu vois, moi quand je suis en bus, après tu me diras c'est pas le même gabarit. Je fais en sorte de jamais bloquer l'intersection. Ouais, non, après, la deuxième, moi je le fais parce que sinon, comme tu as dit, je vais jamais passer. Tu vois, t'es obligé. Non, il faut pas que. Tu vois, elle va te bloquer si tu veux pas. Et là, toi, tu peux pas faire comme ça. Hein, ça. Non, là, je m'en fous. Elle va bloquer, c'est pas ça. Elle est là dans sa Volkswagen au câble. En fait, c'est là, elle a eu le C3. Là, en fait, elle arrive pas trop à s'imposer dans le C3. C'est ce que je suis en train de dire. Je crois que tu portes la poisse un peu. On va se faire limiter. Tu portes grave la poisse. C'est rare, c'est bouché comme ça. Je sais pas qu'est-ce qui se passe ici. Ça sent le pont plutôt les amis. Non, il n'y a pas, pas de pont plutôt, c'est de la course complète. Si tu l'appelles, tu lui dis c'est 36 def à l'appareil, tu lui dis. Oh non, t'inquiète, je vais normalement ça devrait aller. C'est mon dernier tour en vrai. Mais là tu vas charger comment ça. Là, parce que celui qui fait la navette, il n'est pas passé encore. Ouais. Vu qu'on n'a qu'une porte là. Ouais. Bonjour. 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 Ça ne change pas des gens. Genre, je pense que ça fait un moment qu'ils attendent. Comme tu l'avais dit dans le 114, j'ai pas oublié. Ouais. Tu as dit s'il y a un quota, s'ils font pas la tronche. Ah non, mais en général, là, je pense que ça fait un petit moment qu'ils attendent. En fait, après, c'est le pauvre machiniste qui prend un coup. T'as rien demandé. Moi, perso, t'es parti à l'heure. Mais ça, ils comprennent pas ça, tu vois. C'est focus, fallait que tu sois là par exemple à 8h56. Ah mais faut comprendre aussi des fois. La dernière fois je devais prendre le train, ouais. Je suis allé à la gare Montparnasse, 6h le train. Ouais. Du coup j'ai pris le Noctilien, tu vois, N43 au Bervilliers à côté de chez moi. Ouais. Et j'attends à l'arrêt, tout ça, il y a une déviation. Ouais. Et je regarde la note de déviation, tu vois, sur l'Urban. Ouais. C'est déposé au Ber le N43. Ouais. Et je vois entre quelles stations ils doivent dévier. Du coup, je me mets à une station, je marche vite fait, je marche deux stations. Ouais. Et en fait, il y a un raccourci qui les fait passer devant leur dépôt, tu vois. Ouais. Du coup, en fait, le bus, il a pris une déviation plus longue que ce qu'il devait prendre, tu vois, parce que ça nous faisait gagner 2-3 minutes. Ok. Et du coup, bah, les gens, ils maniquaient en gros. Tu vois. C'est-à-dire, après, j'ai dû marcher jusqu'à la porte de Berlin pour prendre le prochain. Et j'ai perdu 25 minutes. Heureusement, j'étais sorti en avance. Sinon toi, si t'aurais été juste, tu serais mort quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, des fois, les collègues qui s'autorisent à prolonger les devs ou à faire des trucs bizarres. Tu penses pas aux autres, peut-être qu'il y a un collègue qui vient avec toi, tu vois. C'est vraiment dingue. Ce matin-là, heureusement, j'étais en avance. Bonjour. Bonjour.
ils veulent bien faire ça, parce que c'est... En fait, comme t'as dit, t'es un... quand t'es un bus, t'es... ça y est. Ouais, t'as pas oublié. J'ai pas oublié. Hein. Pourtant, avec le nombre de vidéos que j'ai fait, non, le nombre de machinistes. Il y a tout, hein. Regarde, ligne blanche, mais regarde pas avant de dépasser. Enfin, y a un gars, il m'a envoyé plusieurs fois, il me semble qu'il y a comme ça. Ouais. Non, moi, je commence à sortir, tu vois. Non, moi, je la laisse, c'est pas grave. Je l'ai dit, moi, quand c'est une femme, je l'embrouille pas. Enfin, mon collègue des Lilas, c'est rare. Ouais, je l'embrouille pas. Parce que l'argument de ouais, c'est parce que je suis une femme, il va sortir tout seul de sa bouche. Moi, t'es tranquille. Ouais, alors que rien à voir. Hein. Ouais, ouais. Tu conjugues juste comme une merde, tiens. Je t'ai une femme. Mais je préfère l'éviter. Ouais. Et la mairie d'Anières, ils ont investi dans la déco. Dommage, j'ai pas mis la troisième, mais ouais, sur on les voit pas la droite. Ouais. T'es sur le retour, je passe par là. Hein. Ouais, oh ouais, bah dans l'autre sens, on retourne là, tu vois. Ouais, le retour, on va voir. Merci. Oh, mais c'est bien. Ouais. Bonjour. En fait, la ligne, là, si je comprends bien, c'est beaucoup tout droit en fait. Parce que sur le plan, j'ai le nom où ça tourne un petit peu. Oh, vite fait, ouais, c'est beaucoup tout droit. Une fois qu'on. Là, en gros, on va tout droit. Jusqu'à la mairie de Courbevoie. Tu prends les quais ? Ouais, après on va rejoindre les quais. Et après tout droit jusqu'au parc de Saint-Cloud. C'est les quais qui sont bouchés en fait. Ouais, mais plus dans l'autre sens pour revenir vers ici. Bon, moi le problème de Bordemain, c'était les services et tout ça, les deux fois. Il y en a beaucoup là-bas ? Il y en a trop. Il n'y a que ça, mais. Ah non, moi les deux fois, laisse tomber. Moi je suis portant plus. Tu vois, là ils ont encore vu Paris S me mettre encore deux fois. Ouais. Moi j'ai négocié parce que moi enfin, je les arrange beaucoup aussi. Ouais, la bonne façon c'est ça. Je les ai arrangés, je lui dis s'il te plaît, arrange-moi parce que moi je sais pas pourquoi en plus ils m'ont amené au lit là. Donc, tu vois, non, mais on est tellement d'agents que tu es obligé de faire du donnant-donnant, tu vois. Ouais. Genre les mecs qui ouais. veulent tout et qui arrangent jamais la feuille ou quoi. Moi je suis feuilliste, bien sûr, je t'ai dit non. C'est dit, ton planning a marqué amplitude. Tiens, tu vois, t'as pas. Non, ça, j'aime pas négocier. Bonjour, merci. Bonjour, merci. Comme tu l'as dit, c'était vraiment marqué. J'avais 5 semaines, 5 jours d'amplitude. Ouais, moi, j'ai même pas à parler, tu vois. Mais je lui dis, s'il te plaît, au moins, t'as pas un truc. On est censé faire nos plannings de base, tu vois. Après, un mec qui arrange. Tu sais, souvent, il t'appelle, ouais, ça te dérange pas, je prends ton service, que j'ai un mec qui connaît pas la ligne, il connaît que cette ligne là, ouais. Voilà, je veux bien. Ou alors tu dépannes, ouais, ça te dérange pas de me refaire un tir au travail un peu. Ouais. Si elle passe, moi t'as besoin d'en tuer. Sa petite voiture. Si jamais. On va pas parler. Ici tu forces le passage, donc, je suis un petit peu obligé. Bah c'est bon, regarde, on peut pas laisser passer. Ce feu il dure pas longtemps en fait. Ah, il est rapide. Voilà, il y avait 5 voitures. Je laisse passer les 5, je me retape le feu. Ouais. Ah, je reconnais cet endroit là, je suis déjà. Tu vois, tu es arrivé après sur le pont de Levallois sur la gauche là. Exactement. C'est ça? Qu'est-ce que t'es foutre ici? Ah, c'était mon secteur ici, hein. J'ai grandi là. Ah ouais? Probablement. C'est vrai? C'est quoi? C'est que si j'ai fait VTC, donc je me rappelle ici. Ah oui. Ah, moi, quand j'ai fait VTC, j'ai fini dans des endroits. Ah, en fait, c'est à force, tu vois. Je suis quand même content d'avoir fait ce métier-là parce que le fait d'être maintenant chauffeur de bus, ça me permet, si on s'en dit, j'en suis sûr que je pourrais détacher n'importe où, je me perdrais. Ouais, non, mais c'est sûr, tu vois, je me perdrais pas, tu vois. Quand j'ai fait VTC, ça m'a appris tout Paris. Et même, je suis allé dans des banlieues où j'avais jamais été. Genre les Suisses, ouais, la grande borne à Grigny, tu vois, je suis allé. Ouais, t'as fait tout ça quoi. Ah ouais, franchement, je me suis baladé. Bonjour. 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 Le seul problème de VTC, c'était que c'était un métier où ton salaire n'est pas. C'était pas. Bon, ça a l'air conséquent, c'est-à-dire c'est aléatoire. Moi franchement je travaille bien quand je fais VTC. En fait un coup je peux dire tu peux faire 200 balles, un autre coup tu peux faire 50 balles, donc c'est-à-dire si t'as les choses. Ouais mais après il fallait savoir où aller, tu vois. C'est ça, il fallait être malin aussi, il fallait savoir bien se positionner. Et aussi il y avait des heures à travailler. Il fallait savoir où aller, à quelle heure. À quelle heure, c'est ça. Mais au tout début, quand tu découvres, si personne te donne des petits tips, t'es mort quoi. Bah non, tu es obligé de. Des fois tu vas faire des journées où tu vas rien rater. C'est ça.
Après, quand tu connais, t'es bien. Moi, je faisais tout pour éviter Paris parce que j'aimais pas Paris. Moi, j'allais à Paris, mais la nuit, tu vois. Ouais, c'est ça. Ramassais les pétards. C'est ça, en fait. Ouais, à Bastille, rue Auberkamp, sur les grands boulevards. Ouais. Et t'en as qui habitaient un peu loin, quand même. Et je les ramenais à Enghien-les-Bains. Ouais. À Daumont. Ouais, Daumont dans le 9-5. Ouais. Ouais. Franchement, je grattais bien. Faut le savoir, tu vois. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime pas être en roulant. Parce que le, tu vois, le fait de en VTC, j'aimais bien bouger dans les certains coins. J'allais dans le 9-2, j'allais dans le 9-1, j'allais dans le 9-3, tu vois. J'ai jamais voulu roulement. Les mecs ils me disent ouais, t'inquiète pas, c'est au début je disais ça, mais après finalement c'est passé. Mais malgré ça, j'essaye. Hein. Ah non, t'es fou, moi je suis allergique à la route. Tu sais, quand on me donne du 171 régulièrement, au bout, tu vois, j'aime bien la ligne, ça me dérange pas plus que ça. Il y en a beaucoup qui l'aiment pas, tu vois. Moi, ça me dérange pas plus que ça, mais dès que je l'ai, on me la donne 3-4 fois d'affilée, ça me saoule. Ouais, ben moi c'est pareil. Moi j'ai connu des collègues, tu sais, quand on faisait les spéciaux, les trucs, ils devenaient ouf. Parce que justement, ils n'avaient pas leurs repères, ils n'avaient pas leurs habitudes. C'est ça aussi l'avantage de faire plusieurs lignes, c'est que tu as des repères derrière, tu sais. Le jour où tu as une difficulté, tu sais que t'es pas perdu. Ah ouais, quoi, ils me disaient, ouais, laisse-moi retourner sur ma ligne. Qu'est-ce que je fous là? Et là, tu vas aller à gauche là. Là, on va tout droit. Ouais, tu vois là, c'est l'itinéraire du N52 là. Le N52 il va par là. Ouais. Et là à gauche, tu vois, tu traverses le pont de Levallois. Ouais, tu vas aller jusqu'à Charras en fait quasiment. Place Charras, c'était la rue à droite. D'accord, 275 qui va là-bas. Là on va tout droit jusqu'à l'Amérique, on peut voir. Et après tu descends à gauche. Et après à gauche, ouais. Tu vas rejoindre les quais. Ouais, tu rejoins les quais, après à droite. Tu ressens jusqu'au bout après à droite. Exactement. Après tu remontes le pont de Neuilly. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. 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 Toujours le dernier qui. Ouais, je sais pas. En son âge, ça paraît être acquis quand même. J'espère qu'à cette âge-là, si Dieu me donne la vie, je serais pas comme ça quand même. Je sais pas quel âge il a, mais cheveux gris sur le déco, plus de cheveux au-dessus, la minimum 40 piges, tu vois. Là, tu m'as tué. En vrai, la politesse, je pense qu'on lui en a déjà parlé au moins 3 fois. Normalement. Et attends, des fois, je me pose même des questions. Est-ce que même à cet âge-là, tu. Ah, oh, mais des fois, c'est trop tard. Il n'y a pas de retour en arrière. Pour moi, ça me fait rire. Il faut me prendre à la rigolade. Ouais, t'as des collègues, ils feraient ça personnellement. Oh, ça me fait hurler. Au début, moi, ça me faisait quelque chose quand je commençais dans le métier. Tu vois. Quand t'es nouveau, mais c'est normal. C'est normal, je me disais, mais attends, c'est bizarre. Ouais, je comprends pas, je les regarde. Ils disent pas un mot, il n'y a pas de compassion, il n'y a rien. Ouais, non, mais dès que quand tu rentres dans le métier, c'est normal. Et après, tu vois, quand tu commences à faire 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, tu dis, ah ouais, d'accord, okay, ouais, c'est comme ça, bon, bah, on va rester comme ça. Un petit temps d'adaptation, tu vois. C'est ça. Mais après, je te dis, au début, j'étais un peu étonné. Quoi. Ouais, c'est normal. Après, c'est des aléas du taf, hein. C'est ça, ouais. On fait avec. Je la regarde deux jours, quelques pas.
ce match là-bas. Et un jour, voilà, je vais à la boulangerie à côté du terminus, là, tu vois, là où t'es monté. Ouais. Un jour, je vais à une boulangerie, je vais toujours à la même. Et ce jour-là, j'y vais, c'est fermé. Du coup, je vais dans une autre où j'ai jamais été. Ouais. Et qui je vois derrière la caisse ? Madame. La meuf. Et je la regarde, je dis, mais c'était qui faisait ça, c'est son taf. Et en fait, ouais, en fait, elle bosse à la boulangerie. Ouais, en fait, elle montait avec moi tôt le matin et elle allait pour aller à la boulangerie. Ouais. Et je me dis, non, aujourd'hui, je vais lui donner du truc. Et j'arrive devant elle, je lui dis, ouais, un café. Et elle me dit, je dis pas bonjour, tout ça. Après, je rigole, vu que vous ne me reconnaissez pas. Je lui dis, non, vous êtes qui ? Je lui dis, ouais, bah, je suis le conducteur du 235. Ouais. Je vous prends souvent le matin, je dis jamais bonjour, validez pas. Et là, vous êtes sur votre lieu de travail et vous dites, ouais, vous dites pas bonjour. C'est bien de demander la politesse. Si vous faites-le aussi, vous, vous croisez d'autres gens au travail. Ouais. Du moins, vous me voyez tous les matins au travail, vous ne dites pas bonjour. Après, elle dit, ah, elle devient toute blanche, elle sait pas quoi dire. Je dis, bon, allez, un café, madame, s'il vous plaît, j'ai pas le temps. Au revoir, bonne journée. C'était juste pour lui donner une petite leçon. Ouais, non, c'est bien. C'est ce qu'il faut faire des fois. Bonjour. Et je l'ai repris 2-3 fois après. Bonjour. Moi, elle validait toujours pas. Et ta copine qui court pour toi. Elle validait toujours pas, mais elle disait bonjour. Ouais. Ouais. Elle le dit toujours pas. Rentrée. Et elle t'a pas reconnu aussi ? Non, je t'ai dit, je l'ai repris après cette histoire-là 2-3 fois. Ouais, mais elle te disait plus bonjour, mais elle validait. Non, elle validait toujours pas. Mais elle disait bonjour. Elle disait bonjour. Ah, c'est-à-dire qu'elle t'a reconnu. Ouais. Ça va marcher. C'est marrant. Après, je sais pas si c'est une question d'éducation, c'est parce que c'est des gens qui sont blancs. Je sais pas, c'est bizarre. Après, il y a plein de trucs qui peuvent rentrer en compte. Tu sais, des fois, t'as des gens qui disent. Moi, je sais qu'il y a des collègues à nous qui disent pas bonjour aux gens. Tu sais, des fois, il y a des gens, ça les dégoûte en moi. Tu sais, ils montent, ils disent bonjour. Le mec, il est calcul jamais, le conducteur. Tu m'arrives, des fois, quand je t'en cite, des collègues, dans leur tête. C'est fort. Voilà, du coup, dans leur tête. En fait, c'est vice-versa, quoi. Après, ouais, à chaque fois, les gens, ils disent pas, vas-y, je dis bonjour. C'est à chaque fois qu'ils mangent une demande. Il y a ça aussi. En fait, on va dire que c'est 50-50. Voilà. De toute façon, il y a des voyageurs polis et les conducteurs, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Attention, c'est pareil. Comme moi, quand je suis et je vois le même regarder moi aussi, j'ai envie de dire bonjour aussi. Ouais, bah c'est ça. Il y a ça aussi. Non, moi, j'ai une fois, j'ai vu des collègues, ouais. Tu montes, ils regardent, ouais, regardent même pas. Ils font genre, ils regardent à gauche, après, il y a le rétroviseur. Non, moi, j'ai toujours un regard vers les gens. Tu vois, ça aussi. C'est le minimum. Ouais, on est bien, là. On est en avance, carrément. Voilà. Ouais, on a 2 minutes d'avance. Bah, t'es bon. Ouais, on est tranquille. Enfin, on va se remettre à l'heure. Bonjour. Quand je compare à la mairie d'Aubervilliers, ça n'a rien à voir. Ouais. Ah ouais, bah ça change. Le 9-3, peut-être 9-3, il ne faut pas autant d'efforts. Ah, franchement, 9-3, à part le Rincy. Tu connais bien ? Ouais, le Rincy, c'est la ville bobo du 9-3. C'est le Neuilly-sur-Seine du 80. Ouais. La tour first, là, la plus haute, c'est celle-là. C'est le quartier des affaires. C'est le
intéressant, hein. C'est pas une qui charge en vrai. Non, ça va. En fait, quand, ça dépend de... quand l'écart il est bon, tu charges pas trop. Non, je vais te regarder. Là, tu vois pas, il a combien de temps derrière toi aussi? Non, là, je suis en. Ponctualité? Je suis en ponctualité, là. J'ai pas les écarts. Des fois, j'aime pas quand ils mettent en ponctualité. Je vois pas qu'ils laissent. On appelle ça en. En régularité. En régularité. Ouais, moi aussi, je préfère. Comme ça, ça te permet de voir le mec. Mais t'as certains réguliers, c'est très rare qu'ils mettent les deux. Ouais, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça. Il m'a mis régularité et ponctualité. Je sais pas comment. Ah, c'est le fond. Ouais, ouais, bah c'est le régul qui gère sur l'ICS. Il devrait mettre les deux, c'est bien. Ah, c'est mieux. C'est mieux, comme ça au moins tu sais. Et comme le mec derrière toi, il te tartine. Par contre, le mec derrière toi, il est limite à pont depuis tout le temps. Oh, c'est ça. Oh, il est parti de bord de scène. Donc il y a moyen que. Ouais, non, là c'est bon. Là, là. Parce que là, ton but, on est arrivé là. Ouais, quasiment. Non, non, mais là, on est bon. Là, le jeu. On sera pas limité. C'est vrai, vous avez de la chance, les amis, vous serez pas limités, vous aurez la vie. Je pense qu'on sera. Ouais, vraiment qu'on se retrouve dans les bouchons graves sur les quais. C'est ça, c'est pas encore fini. Hein. C'est vraiment, on a même pas fait la moitié de la ligne. Non, ouais, ça va aller. Ah, t'as fait la 34 quand même. Tu sais, la 34, elle a eu, je sais pas si t'as vu la description, il y avait 5 mois de retard. Hein. Ah ouais? C'est la vidéo qui a eu le plus de retard au monde. On t'inquiète pas pour l'ANC, je vais pas faire cette. Oh non, mais la 34 en plus, c'est assez. Non, mais elle est super longue cette ligne. Elle est trop longue, j'ai. Bah, 1h30. Ah non, mais si tu imagines, c'est énorme. C'est énorme. Même l'ordinateur, le pauvre, il a dû souffrir. Ah ouais, non. En plus, tu filmes en haute définition, ça a dû prendre je sais pas combien de gigas. Ouais, elle a fait 25 gigas là. C'est dingue. T'as vu ça? 25 gigas. En général, en moyenne, les vidéos qui font. Par exemple 50 à 1 heure, ouais. T'en as pour entre 15 et 20 gigas, non ouais, entre 13 gigas et 18 gigas. Alors imagine 1h30. Ouais, 25 gigas c'est vraiment une grosse vidéo. C'est une grosse vidéo. C'est pour ça que tu comprends pourquoi mes disques durs se remplissent vite. Enfin, pas ça. Ouais, tu m'as dit la dernière fois, t'as des disques durs 2 Tera ou je sais pas combien. Ouais, 5. T'es obligé. Le N16, je crois qu'il va rejoindre le 34 en niveau de durée. Je crois qu'il est pas loin. Parce que j'ai vu que j'ai 8 fichiers de 11 minutes. C'est vrai qu'ici ils arrivent vite. Ouais, ils voient que tu veux décaler, mais. Ouais, ils s'en foutent. Là, c'est la SACEM, là, ce bâtiment. Quand t'es venu faire la 174, on est passé sur le pont. Ouais, plein dans les bouchons. Quoi. Exactement. Ouais, c'est vrai, je sais plus à quelle heure t'étais venu. Ouais, c'est de taper les bouchons. En fait, j'ai raté ton départ de l'autre côté. Parce que ouais. C'est là qu'on aurait eu la ligne entière. Là, aujourd'hui, normalement. Ça devrait le faire. Ouais, on va pas flopper. C'est peut-être là, c'est peut-être parce qu'il fait, il fait gris et puis il fait froid un petit peu. Donc. Ah, pas la réponse. Souvent à Paris. Bonjour. Encourage les gens à prendre le transport en commun. On supprime les voies.
à prendre le bus, c'est pour aller en plus. Ouais. Vu que tu es dans les bouchons, qui dit bouchons, il y a une petite limitation de la ligne. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça, ils ne vont même pas à leur destination. Vous allez la perdre la 16. Nous on perd tous les noctiliens à Rivard. Plus,
plus rien. Il n'y aura plus un seul optimien. Non, je te dis des conneries. Le 16, il va pas à Ivry. Le 16, il va. Comment ça s'appelle? Pôle Gare de Lyon. Donc ça va être Port de Mar ou. Ah, ça va être un. Créteil-Saint-Maur. C'est là même l'ami, il va le perdre avant du coup. Ouais. Ouais, ouais. Le 52, il va à Béliard. Ouais. Le 4, c'est le 14 qui va à Ivry. Le 14? Ouais. Mais par contre, l'ami. Enfin, Paris-Est, l'ANI et les Lilas, ils vont être, ça va être le même lot que Bélia. Ouais, ils vont être ensemble, les trois. Ouais, ça va être un putain de lot avec 11 noctiliens. Putain, 11 noctiliens. Ouais. T'as tous les N de Gare de l'Est, les N40, t'as tous ceux de Saint-Lazare, donc les N50, ouais. T'as le 01, 02, les circulaires de la mort. Donc ça va se jouer dans notre dépôt, quoi. Et t'as le N13 en traversière. Mais ça veut dire en gros, en théorie, ouais. Ça veut dire que si nous on est avec Béliard, nous notre ami aussi va faire des lignes de Béliard du coup. En théorie, oui. C'est-à-dire ouais, sur trois dépôts, tu peux aller soit, tu peux être à Lani, tu peux être à Willa, tu peux être à Béliard. Ouais. Bah c'est le même lot, tu vois. C'est... Ça veut dire qu'il y en a, ça va pas. Le lot, lot 49, je crois. Ah, carrément, c'est des numéros. Ouais, ils ont des numéros, les lots. Je crois que nous, c'est le 42. Et vous, vous êtes jumelé avec qui? Avec personne. Nous, on reste Rive Nord. De on raciste, de play, ben, on playait à la Nière, les deux dépôts déjà jumelés. Ouais. Et on perd tous les noctiliens. Toi t'es un peu dégoûté hein. Non, mais moi j'ai demandé ma mobilité à Béliard ou Paris-Est, hein, je te demande pas. Ça tu viens chez nous avant. Ouais. Béliard pour moi ça change rien, tu vois, par rapport à Nière, c'est pas très loin. C'est vraiment pas loin. Paris-Est c'est un peu plus loin. Bonjour, bonjour. Toi tu vas changer de dépôt. Ouais, si je peux, bonjour. Ah, ça, je ferais ça en optimien. Ouais, dans l'optimien et même les lignes de Paris, tu vois. Ouais. C'est le meilleur lot si tu veux faire du Paris, c'est celui-là. Paris, Espelia. Ivry, tout ça, c'est pas. Et tu vois, en optimien. Ouais, Ivry, ouais, mais Ivry, c'est encore plus loin. C'est plus loin, c'est là où tu parles. Toi, t'es à l'opposé, gars. Ouais, tu vois, moi, je suis en moto, tu vois. Bon, Lani, porte de Vincennes, ça va. Ouais. Pas super loin. Béliard, ce serait le top. Ça change rien à ma vie. Enfin, Béliard porte de Clignancourt. T'as commencé les démarches là? Ouais, j'ai demandé, ça fait des années déjà que j'ai demandé. Est-ce qu'ils veulent. Ah ouais, t'es sur le. T'es dans la liste d'attente. Ouais, sur le. C'est mobilité. Enfin, je trouve que le mieux c'est de trouver quelqu'un qui veut échanger avec toi rapidement. Ah bah, faut le trouver ce collègue là. Ouais. Parce que. Les places à Béliard, Paris-Est, elles sont chères. Hein. Bah, fais ta demande là, tu peux faire la demande sur Transdev, ça passe en introduction. C'est vrai que c'est relou. Et là, t'as regardé, t'es à combien de places? 300? T'es fou, Béliard, je suis 400, un truc comme ça. 400, mais ça fait combien de temps que t'as posé le. Il y a longtemps. Et Paris-Est, je suis 300 ou 200, un truc comme ça. C'est chaud. Hein. Ouais, c'est toute une carrière d'attente en vrai. Bonjour, bonjour. Moi, c'est ça qui est chiant avec leur déco aussi. C'est fait exprès pour te décourager ou te dissuader à ne pas aller dans un autre dépôt. Ouais, ou sinon, ce serait trop peut-être le bordel aussi pour changer les agents, tout ça. Je sais pas comment ils calculent. Ouais, non, mais je pense que je vais faire, c'est. Le mieux, c'est comme t'as dit, c'est d'essayer de trouver un mec. Mec, mais t'en as des mecs qui veulent des fois changer. Après, faut le trouver, franchement. Non, mais mec, comment se trouve tes royal, moi qui vais aller dans tous les dépôts. Ouais, écoute, toi qui as Paris-Est. Et toi, tu vois, ça sera peut-être pas en hiver, là, je suis en train de négocier. Ouais, mais si jamais tu veux venir à Nier, tu me dis. Je te dis direct, quoi. On s'arrange. C'est comme quand j'ai échangé Bord de Mar, on me dit, ça, il faut donner un billet carrément Bord de Mar. Tu sais que c'est le dépôt où il y a le plus d'attente. Hein. Attends, c'est 800. C'est ce que j'allais dire, il y a 800. Je sais pas, qu'est-ce qui est. Là, moi, si bon. Je. À supposer qu'il n'y a pas d'ouverture à la concurrence et tout, que ça a tout reste à RATP, ouais. Si je demande aujourd'hui, je reçois un coup de fil DRH dans 30 piges. C'est bon, viens à bord de Mar. 800, t'attends de crever quoi. T'attends de crever. Je sais pas pourquoi il est côté comme ça, ce n'est pas. Je sais pas. Ouais, j'ai pas vu de. Je crache pas dessus, mais je vois pas qu'est-ce qu'il y a de spécial. Moi, je sais que. En fait, moi, je pense savoir pourquoi. C'est juste les habitations. Ouais. C'est parce que c'est jumelé avec Lucie et puis c'est proche du 77. Et donc du coup les gens comme là-bas l'immobilier est moins cher par rapport au côté ouest, enfin côté ouest et côté sud. Ouais, peut-être ouais. Que les gens ils se passent plus là-bas pour
parce que moi j'en connais beaucoup tes collègues qui disent moi je vais aller à Bordeaux-Bam. Parce que j'ai une maison à Neuilly-Plaisance. Ouais, j'ai une maison à Noisy. Hein, j'ai une maison à Torcy. Ouais, c'est ça, du coup. Donc, ouais, mais c'est de la banlieue sympa après, on va pas se mentir là-bas. Sympa, ouais, c'est sympa. C'est pas la banlieue dégueulasse quoi. Voilà, tu vois, c'est pas le dépôt d'Aubervilliers, le dépôt de Saint-Guy, Pavillon sous bois, tu vois. C'est peut-être pour ça que les gens quand ils sont là-bas ils sont contents. Ouais. Ah ouais, mais après, niveau matos et niveau lune, sans plus quoi, je veux dire. Ouais, mais ça, ils vont se rattraper. Ça. Ouais, peut-être toi, tu vois, il y a peut-être qui a plus l'intérêt à être proche de chez eux que de regarder si la ligne est dégueu ou pas, tu vois. Bah, en général, les mecs, c'est ça. C'est plus simple. Contrairement à moi, moi, je regarde plutôt si le paysage est. Ouais, moi, ça me dérange pas. Je ne sais pas si je t'habite la dernière fois, moi, j'ai le dépôt d'auberge. Ouais. Je pourrais y aller à pied. Hein. Je marche 10 minutes, mais en marchant à deux à l'heure, tu vois. Ça va, ouais. T'es vraiment à côté, quoi. Ah, je traverse le pont et je suis arrivé. Ça m'intéresse pas. Conduire des lignes où j'habite, franchement. Il y en a beaucoup qui aiment pas ça. Non, ça me dit rien. Un collègue qui m'a même dit un conseil, ne prends jamais les lignes qui sont à côté de chez nous. Voilà, non, ça m'intéresse pas. Ça là c'est l'école de commerce Schema. À ta droite. Ouais, c'est que t'as pas mal de bureaux aussi. T'as Dassault. Juste après, ouais. Juste avant. Là, c'est Schema là, tu vois. Ouais, c'est une grande école, elle est connue. Vous savez, alors, tu vas passer par le parc de Saint-Cloud là, tu vois. Ouais. Et après, tu passes par Boulogne-Marseille-Sambre. Ouais, exactement. Ouais, c'est. Je vois que monsieur est un connaisseur. Hein. Non. Franchement, je pourrais me perdre. Ouais. Soit dans le sud, dans le nord, l'ouest, dans l'est. Là, le siège de Dassault Aviation, il est là. Il est là. Regarde la porte, s'il te plaît. C'est magnifique. Si c'est pas un signe de puissance, ça, une porte comme ça. Je te jure. C'est incroyable. Peut-être qu'un jour la RATP sera à ce niveau-là. Bon, ça, il y a du chemin. Là, c'est pas les mêmes. C'est pas pareil, là je parle de l'aviation. Quoi. C'est de l'aviation. C'est un autre niveau. Ouais. Non, c'est vrai que le bâtiment il est classe. Quoi. Putain, c'est la classe, hein, c'est ce que j'allais dire. Ici, tu as toutes les voitures que tu vois garer. Hein. C'est des gens qui habitent sur des péniches. Ouais, je sais qu'il y a des gens qui habitent sur des péniches. Regarde, ouais, t'as des boîtes aux lettres. Ouais. C'est que des bateaux en fait. Tu pourrais habiter dans un truc comme ça, toi ? Pourquoi pas en vrai ? C'est ça, j'aimerais bien tester dans ma vie, mais je sais pas si je vais kiffer. Ah, ouais, mais après, faut tester. Mais je crois qu'en termes de surface, ouais. Par rapport au prix de l'immobilier, c'est moins cher. La localisation, ouais, t'es gagnant. Toi, là, ils sont bien, ils ont une vue sur la Seine. Ouais, mais c'est des mecs qui ont des bonnes professions qui habitent là. Des avocats, des ingénieurs. En vrai, ils y trouvent leur compte, hein, sinon ils seraient pas là. C'est, ouais, bah, j'imagine. Et tu vois, la Seine, une péniche, en vrai, ça bouge pas. C'est vrai. C'est pas comme si t'es en mer et tu vois, vraiment, t'as les vagues. Je pense qu'ils pourraient peut-être pêcher leurs poissons. Hein. Bon, ici, je sais pas s'il y a des poissons ou ça. Si, il y en a. Après, la qualité de l'eau, elle doit pas être terrible. Ouais, ce que j'allais te dire, moi, je ne les risquerais pas. Je préfère aller l'acheter. J'ai fait poissonnier. Ouais. Ah, et là, il a la joie de vivre, le collègue. Ouais, t'as certains anciens qui régalent. Ça fait 20 piges qu'ils conduisent les bus. Je dirais, ils ont commencé hier. Ils ont eu une bonne humeur. Ouais. Ah, ça fait plaisir. Bah, tant mieux, c'est ça que. Ah ouais, t'as des mecs qui rentrent dans le taf, au bout d'un an, ils font la gueule. Ils craquent, hein. Ouais. Un mec qui pourrait. Moi, je l'arrache, ouais, pas. Pas de soucis. Là, cette brasserie qui est ouest, ouais. Sur scène, ah ouais, c'est il se passe quoi ici là, c'est quoi, c'est un restaurant? Ouais, c'est un restaurant, brasserie, c'est peut-être un peu ambiancé le soir. T'es déjà parti? Non, non, jamais, mais quand je faisais des nuits, ouais. Ici le soir t'as des belles bagnoles qui sont garées. Ah, on a vu la vaisseau d'être un, ouais, t'as des belles bagnoles, t'as des voituriers et tout. Minimum 100€ le plat, quoi. Bon, le plat, j'espère pas, hein, ça fait, parce que c'est 100€ le plat, moi je prends pas d'entrée, pas de boisson, je te jure. Le salaire exceptionnel, ah ouais, de la RATP, ça te. Ah, c'est même pas la peine, je demande de l'eau du robinet.
Non, ouais, ça doit être un délire, ouais. 100 balles le menu, tu vois. Peut-être le menu, j'exagère, peut-être pas. Peut-être entre 50 et 100 balles. Non, mais en vrai, ça doit être sympa. C'est un truc bon à faire, ça. Ouais. Même le cadre, il doit être sympa, tu vois. Tu dois être une. Si t'as des tables, c'est côté. Ouais, côté. Bah, j'imagine que côté c'est cher. Bah, peut-être, ouais. C'est comme la Tour Eiffel, tu vois. Cher, ou alors tu réserves. Sinon, tu, si t'arrives comme ça, tu débarques sans avoir réservé. Peut-être c'est plus cher. Tu peux pas les avoir. À la dernière minute. Et même au pont de Valois, t'as un resto comme ça. Il s'appelle Paul Pau, il veut de la péniche. Ah, il est mortel celui-là. Bonjour. Bonjour. Ouais, Paul Pau, il est cool. J'avais été une fois. Ouais, ouais, franchement, il est bien. C'est comme le restaurant de la Tour Eiffel. Hein. Je sais pas, tu fais combien là-bas. J'ai jamais été. Un jour, je sais pas, j'aimerais bien tester. Donc je pourrais me le permettre avec les 5000 euros de la régie que je gagne par mois. Ouais, parce qu'on bosse que 3 heures par jour. Ouais. On est des privilégiés de fou. C'est ça. Merci BFM TV de l'avoir fait savoir à tout le monde. Vous savez, maintenant, ils vont tellement recruter qu'après, au final, ah, oui. on va, ça, ils vont multiplier ça. Là, j'arrive à Port-de-Saint, où j'ai 3 heures de pause. Là. Ils savent pas, les gens. Ah non, t'es fou. J'ai des délires, mais ça va, on s'en revient quand même. Quand on faisait grève, là, laisse tomber. Qu'est-ce que c'était drôle quand je regardais la télé. En moyenne, ils bossent 3h30 par jour, ils gagnent 3 000 euros net par mois. Ouais. Si seulement. Non, mais en fait, ils sont marrants parce qu'en fait, les gens, ils aiment bien. C'est comme dans les commentaires, je les vois dans mes vidéos. Dans les commentaires, les gens, ils se permettent de te juger. Ouais, là, tu devrais faire son plus aux angles morts, là, tu devrais faire ceci, là, tu devrais faire cela, tu vois. Ouais, mais s'ils sont. Des fois, j'ai envie de leur dire, viens prendre un bus. Moi, je me mets derrière, je te regarde faire. Faut leur répondre, passe le permis voiture, toi déjà. Et après, on en parlera. Là, tu vois, là normalement je reste sur la file de droite. Pourquoi? Parce qu'on va tourner à droite. Ah, tu rentres dans le terminus? Ouais, mais là je m'écarte un peu parce que tu vois, il y a un bus qui est là. Ah, ouais, ça c'est la fameuse ligne 72 que j'ai. Non, là je fais aussi. Là je pense que c'est un spécial. Ouais, non, pas là, mais je sais quand je faisais le 72. C'était la ligne 112, j'étais en ILM, je veux pas chercher la tablette. Elle est mortelle la 72. Ah, j'aime bien, mais par contre, qu'est-ce que tu charges? Ouais, je charge. Mais j'ai bien aimé. C'est trop la classe cette ligne. J'ai kiffé. Mais l'année, vous allez la perdre. Celle-là. On la perd. Ouais. Ouais. C'est peut-être pour ça que j'ai envie de changer de déco parce que je l'aime bien. Elle va partir avec le point du jour, je crois. Ouais, exactement. Parce que là, elle est en double remisage là-bas. Enfin, ils ont plus de services à point du jour actuellement que nous. Hein. Tiens, tu l'as déjà vu ce bus-là ? Lequel ? Irizar. Là, là, t'en pas. Justement, on m'a dit de le faire, mais je ne vois pas c'est quel. Je demande à un collègue. C'est Malakoff. C'est Malakoff. Ouais. Allez, je t'abandonne, je vais aller filmer la 126. Vas-y, hein, vas-y. Franchement, je t'en voudrais pas. Ça c'est pas un truc professionnel, ça. On part sur les mines, toi, directement là. Franchement, ouais. Je te limite à part de 5 jours. Je serais déçu de toi. En plus, il nous a pas limité, tu vois. En plus, c'est super. Bonjour. 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 Il y a une dame qui court, on va l'attendre. C'est bon, j'ai peur qu'il ait chargé pas, t'imagines le truc. Bonjour. La caméra centrale en plus. Bonjour. C'est vrai, quand on parle avec Anna, les gens sont toujours en train de te regarder, tu vois, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Bonjour, de rien. Tu vois, les gens, tu les attends, pas merci, rien, pas bonjour, ils valident pas. C'est... Voilà, après, les gens, ils s'étonnent qu'on les attend plus. C'est vrai. Tu regardes, tout ça, c'est du point du jour, parce qu'en fait, ils ont toujours les mêmes bus. Les fameux gaz. Ouais, l'année, la 72, vous la faites avec quel matos? C'est Télis, mon frère. Ah ouais. Quand j'ai ça, je suis dégoûté. Je devrais mettre moi nous donner les urbains, tu vois. Parce que la clientèle, elle est quand même. Surtout que c'est touristes. Ouais, c'est une belle ligne, hein, 72. Si Télis, c'est un peu quoi. Ouais. Non, mais par contre, qu'est-ce que tu charges? Enfin, j'ai jamais pu charger comme ça. Après, ce qui était bien, j'ai pu parler, j'ai pu franchir mon anglais, tu vois. Tu vas raccrocher un peu. Il fait un peu le fou. Non, parce qu'ils ont une flèche, ils ont le droit d'y aller. Je sais bien, mais la flèche, ça rend pas prioritaire. Ouais. C'est ça. Là, j'espère qu'il va s'en souvenir. Bonjour. Ici, t'as le domaine de Saint-Cloud. Ouais. Au-dessus, là. Je sais pas si t'as déjà vu, ils font un truc qui s'appelle Lumière en scène. Non, ça me dit rien. Bah, regarde, t'as la pub. T'as la pub. C'est bien calculé, t'en as parlé que le sorti de l'OM. Tu vois, c'est là-bas là. On va partir depuis 17 novembre. C'est stylé, faudrait que j'aille.
Dimanche là, ouais. Ils me l'ont retiré, ils m'ont appelé, ils m'ont dit fais-moi du 69 en ALM, ce que je te disais. Pourquoi ils l'ont retiré? Je sais pas, à chaque fois que j'ai la 112, ils veulent pas me la laisser. Ils veulent pas mais me... je crois que c'est une des lignes les plus demandées chez vous. 112? Ouais. Parce que moi pour l'avoir c'est chaud. Hein. Ah non mais en roulement tu peux pas l'avoir, ça va. Même en ligne, je te dis déjà de base en ligne. Et j'ai l'impression qu'ils mettent tous les nouveaux agents en gilet vert dessus, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ouais, je sais pas. Alors que 71, moi on me l'a. Fils. 71, vous allez bien, moi j'aimerais bien, si j'étais chez vous, j'en ferais. Je sais pas pourquoi les gens ils la détestent. Parce qu'elle tourne. Ouais. Parce qu'elle tourne. J'en suis sûr qu'il couche, je savais qu'il couche. Ouais, bah on va le prendre, hein. C'est pas grave. Merci chef. Merci. Ouais, c'est le minimum quand même. Non, mais c'était bien. Voilà. Bonjour. On prend la rue là. Ouais, je vois bien. Après c'est tout droit quoi, jusqu'à Marseille sans bas. Après, des fois on prend par là. Tu sais, des fois le régule il nous demande de couper comme le 72. Pourquoi? Parce quand que c'est du, quand il y a du retard sur ligne. Alors qu'ici ça bouge souvent. Ouais. Quand il y a du retard sur ligne, ouais. On dépose les gens là. Ouais. Et on va tout droit. On le guide? Non, non, avec les voyageurs, on les prévient. Ah, c'est on leur dit messieurs, dames, on va là, au prochain arrêt porte de Saint-Cloud. Ok. Mais c'est rare. Hein. Ça, bonjour. C'est à l'ancienne, lui, t'avais l'impression qu'il vivait dans un truc alors que c'est. C'est un gars de bonne famille, hein. Alors, il fait le malin comme ça. Et il y a faim. Bah bon, après, voilà, c'est vrai que les textes, comme il disait, tu vois, c'est vendeur. Il ouais, a pas c'est... tort. De toute façon, c'est ça, les gens, si tu veux. Non, mais c'est vendeur. On va pas se coacher. Ouais. Et voilà, là, on y est. Maintenant, ça a changé maintenant. C'est pas la rue. Non, il y a un quartier, c'est tout. Il y a un peu. Le ghetto. Ouais, un peu. T'as bien précisé un peu. T'as de quoi en faire une montagne. Tu vas voir, tout à l'heure je t'ai dit la mairie. Ouais, la mairie. Voilà, ouais, on y est passé. On y est presque. Hein. Elle est sympa, c'est vrai. C'est vrai qu'elle est longue cette avenue là pour aller jusqu'à Marseille sans bord. Bon, ça va, je vois si je fais ça. Ça, déjà l'année, niveau bouchon, on s'en sort bien.
pas eu trop de... Franchement, là, c'est GG. Après, est-ce que c'est parce que... Non, c'est la fin de la semaine. Non, on s'en est bien sorti. Bonjour. On a approché le week-end, peut-être c'est ça. Bonjour. Non, mais franchement, là, je suis... Ouais. Mais t'as vu, j'ai roulé tranquille. Ouais, t'as pas roulé. C'est moi qui ai mis 10 000 pour installer mes, mes caméras. Ouais, en vrai, je suis étonné que... Ah, en fait, t'as fait une bonne partie en fait. Ouais, ça a super bien pris. Ils sont dit, les régules, ils savent que je viens filmer, ils sont dit, on va pas faire la même erreur que le 174. On va le laisser pour aller... Ouais, enfin... ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour la filmer en entier. C'est pour ça que c'est bien que ça roule bien, parce que si on avait pris du retard... Il est capable de te limiter sur le chemin. Non, de nous dire, rentrera, tu vas à Gabriel Péri au pied. Ah ouais, Gabriel Péri au pied jusqu'à... Ouais, de Porte Saint-Cloud au pied. Moi, ça peut être pas plus mal, mais après, c'est pour que le gars qui apprend la ligne, ça m'intéresse. Ouais, c'est ça. C'est tout ça. Putain, là, on arrive dans le secteur de Fontenay-aux-Roses. Fontenay-aux-Roses En fait, les lignes, je sais pas. Les lignes que tu vois, c'est les lignes de Fontenay-aux-Roses, le déco. J'avais fait quelques lignes de là-bas, je crois que j'en ai fait deux. Et une ligne qui peut-être qui va les aider, Fontenay-aux-Roses, c'est la 162, une ligne de fou malade. C'est laquelle, celle-là? Mais donc, Valfleury, Villejuif et Louis-Aragon. Mais qu'est-ce qu'elle est longue, ce jour-là j'étais derrière, mais tu crois je me suis pas endormi en fait. Non, moi c'est la 171 dont j'ai entendu parler, mais je crois pas c'est Fontenay-aux-Roses, je crois c'est Pointe du Jour. 171. Celle qui part de Pont-de-Sèvres. Ah non, ça c'est c'est Pointe du Jour. Ouais, c'est Pointe du Jour. Qui va à Port de Versailles. Peut-être. Ouais. Celle-là je l'ai filmée, celle-là. Château de Versailles. Ouais, ça doit être celle-là, je sais qu'elle part du Pont-de-Sèvres. Elle charge beaucoup. Celle-là, ouais, tu charges à la mort. Tiens, bah regarde la mairie en question. Bah voilà, en plus celui-là dans le visu. Ouais. Et elle est pas ouf hein. Non, des fois elle est bien. Non, au niveau de décoration, je veux dire, au niveau même. Ouais, non. Mais elle est plus jolie. Ce matin, c'est. Tu sais, t'avais les allumées. Les guirlandes, elles étaient allumées. Hein. Ça c'est pas le côté préféré de. C'est pas mon côté préféré que j'aime le club. Vers ici les Moulineaux, tu sais. Moi je connais pas trop. Vers la Seine, tout ça, là, c'est sympathique là-bas. Ouais. Ça, on va dire, c'est un peu le vieux Boulogne. Quoi. Ouais, moi je connais pas trop. Hein. Ouais. Enfin, je connais les directions, tu vois. Ouais. Genre là, c'est à droite pour aller vers le Pont-de-Sèvres et tout. Ouais, à droite, c'est ça. Ouais. Mais la ville en tant que telle, je la connais. Ouais, pas plus que ça. J'y suis passé quand j'étais VTC, tu vois. Ouais. J'ai ramené des clients et tout. Moi, VTC, tu paraissais longtemps, tu en as pas fait longtemps aussi. Quelques mois. Moi, je me suis pas éternisé. Ouais, je vais faire des sympas. T'as vu le panneau qui a marqué en haut là ? De quoi ? C'est marqué vidéo verbalisation franchissement feu rouge 4 points 135 euros. Ah ouais. Là, c'est une menace qui fait. On va éviter, hein. Si tu vois que ton bus là il passe au orange, commence à faire bélec. Après nous les bus en théorie, tant que l'avant du bus il passe. Ouais. C'est vrai que nous le passe à. C'est nous, c'est 12 mètres qu'on va faire passer. C'est ça. Il faut prendre en compte la longueur. Si tu te fais flasher mais que t'avais fait passer l'avant. Déjà avant donc ça passe. Tu recevras pas l'amende et elle partira pas. Surtout s'il y a de la circulation. Sur cette avenue là, il n'y a que des trucs à manger. T'as remarqué? Ouais. Là, ça c'est l'avenue. Tu cherches la grossière, mon gars. Ah ouais, ici. Là, servir. C'est... Quand je faisais des nuits ici, je passais, des fois j'avais la dalle. À que gré tu t'avais. Je regardais, bah, j'aurais bien aimé pouvoir m'arrêter. Tu vois. Ah, je regardais, j'étais deg. Ah, c'est vrai qu'avec cette lunette, tu peux pas t'arrêter. Parce que Porte de Saint-Cloud, tu me dis, il n'y a plus rien. Il n'y a rien, il y a quoi? Il y a Carrefour City. Peut-être que tu es un peu plus loin pour que tu aies des. Ah, si je crois qu'il y a. Ah, je m'abuse, il y a un que derrière caché là. Ah, mais est-ce qu'il est bon? Ça fait longtemps, hein, je crois. Ah, tu sais, moi, les Grecs, je suis sélectif. T'as raison. Comme on dit, vous voulez prendre le Grec. Quoi, ah, ouais, non. Où t'as l'habitude d'y aller, quoi. Bah, ouais, c'est ça. Tu sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Ouais, non, t'en as tellement, ils se cassent pas la tête, ils achètent des broches surgelées.
dégueulasse. Faire des économies, quoi. De toute façon, j'ai envie de te dire que c'est plus vraiment ce qu'on mange maintenant. Ah, c'est ça. C'est pour ça, si tu veux éviter. Pourtant, sur le gelé, ça l'empêche pas de te vendre le grec à 8 balles. 8 balles. Sans boisson. L'époque où on était à 5 balles, c'était. Ça me paraît tellement loin. Quand j'étais petit, c'était ça. Ah, c'était 5 balles. C'était 5 balles de menu. T'en avais même à 4,50 des fois, ouais. Ça s'est terminé, ils sont passés tous 3 balles de plus. Ah ouais, non. Comme t'as dit, t'as même pas le. Même plus, hein. Maintenant, t'en as, ils se la jouent grec haut de gamme. Genre. Gamme, ouais, j'ai vu des vidéos. La boule, je sais pas si t'as entendu la boule. C'est sûrement ça, ouais. C'est 10,50 en grec. Je le connais, grec frites. Je vais te regarder plus tard, je vois un tout, deux coups, je vais voir c'est qui. Attends. 42. Ah, je vais couper. C'est Croix-Niver. C'est Croix-Niver, ouais. Là, on m'a même proposé de la faire cette ligne-là. Croix-Niver, c'est un peu, il faut être sélectif. Parce que Croix-Niver, des fois. Oh, ils ont des lignes sympas à Croix-Niver. Bon, là, on arrive. Là, t'arrives à la fin. Là, on est presque au terminus, c'est vrai, ça y est. On va être terminé au niveau du rond-point là. Ouais, exactement. Ouais. Je ferais tout ça, la régie pouvait m'envoyer chaque endroit qui pourrait m'amener faire une écran détaché sans dans un autre dépôt. Détachement dans un autre dépôt. Ah, mais moi si je faisais pas de Nokia, hein, je leur aurais, ça, ça aurait j'aurais demandé à faire que des détachements. C'est bien ça. Juste histoire, tu sais, de voir un peu comment c'est ailleurs. Les autres dépôts, tout ça. Là, on a fait 1h et 5 minutes. 1h et 5 minutes. Ouais, bah, on est parti à 8h55. C'est pas grave, ouais, là, je vois pas le tournant. Et après, là, tu vas où, là? Tu refais le rond-point? Non, on rentre pas dans le rond-point. Tu vas où, là? Tout de suite à gauche, tu vas voir. Là, on prend la voie bus, là. On a exprès pour ça. Là, je vois pas à gauche. On verra tout de suite à gauche. À dire pour tes fans. Alors, le super stade du meilleur club du monde, il est juste en face. Voilà, n'hésitez pas, hein, si vous voulez venir visiter. Voilà, vous venez à venir de Gennevilliers, bus 175. Vous demandez le meilleur machiniste de la Rive Nord. Et vous l'aurez. Et je vous emmène. Donc, là. Ah. Par le coquille, apparemment c'est peut-être plus saturé, c'est pas sûr que par la sortie de la mairie d'Amiens. Donc pour les bloquer là, actuellement c'est un peu saturé. Je vous remercie, bon courage, jusqu'à là.